Depuis les Sikorsky H-34 et surtout la fabuleuse Alouette, les hélicoptères de l'armée de l'air ont considérablement évolué. Et on peut dire aujourd'hui qu'ils font partie intégrante du dispositif de défense aérienne français. Les missions qu'ils accomplissent tous les jours sont des missions de sauvetage en mer ou à terre, au profit des pilotes ou des personnels de l'armée, mais aussi des civils, ainsi que des missions de récupération au combat, au sein même des territoires ennemis. Ils accomplissent aussi des missions de sûreté aérienne qui se développent de plus en plus dans le cadre de la lutte antiterroriste. D'autres missions sont confiées aux hélicoptères de la BA-107 de Villacoublay. Il s'agit du transport des membres de gouvernement ou de leurs invités. Alors, le Fennec est la version bimoteur et militarisée de l'écureuil, appareil remarquable de maniement dont le premier vol remonte en 1974. Le Fennec fit son premier vol en 1990 et il est entré en service dans l'armée de l'air la même année. D'une masse à vide de 1700 kg pour une masse au décollage de 2500 kg, il est motorisé par deux turbines Turbomeca TM321 Arius d'une poussée de 400 chevaux chacune. Oh, il manque quelqu'un là. Hein, bon, laisse-le. Long de 10,60 m avec un diamètre de rotor de 12,64 m, sa vitesse maximale est de 225 km/h pour un rayon d'action de 700 km sous un plafond de 6500 m. Selon la version, le Fennec peut être équipé de plusieurs types d'armement, en particulier du canon automatique JIAT de 20 mm doté de 240 obus. Le pointage en azimut de l'arme étant assuré au palonnier. Présent sur les bases de Villacoublay, Metz, Istres, Toulouse et Bordeaux, le Fennec peut avoir deux couleurs, gris ou camouflage traditionnel, ce dernier étant progressivement remplacé par le gris opérationnel. Les missions qui lui sont confiées sont extrêmement variées, des liaisons à la reconnaissance en passant par le sauvetage et la formation. Ces images que nous voyons ont été réalisées au cours d'un stage de formation initiale de Treuist sur la base aérienne 125 d'Istres. Depuis les inondations de Nîmes, les Fennec de l'EH-0567 Alpille interviennent dans ce contexte avec de plus en plus souvent l'obligation d'effectuer des treuillages de nuit grâce aux jumelles de vision nocturne.
La présence à bord de sauveteurs-plongeurs qualifiés et entraînés est un gage de sécurité pour les sinistrés. De retour de mission, les appareils rejoignent le hangar ultramoderne dont est doté aujourd'hui l'escadron. Dos au Mistral pour protéger l'aire de stationnement, ces locaux allient fonctionnalité, modernité et esthétique. Le Puma, dont le premier vol a eu lieu le 5 avril 1965, est entré en service en 1974. Sa masse à vide est de 3615 kg pour une masse au décollage de 7000 kg. Équipé de deux turbines turbo-méca, Turmo 3C4, d'une puissance de 1400 chevaux chacune, il peut atteindre une vitesse maximale de 275 km/h. Long de 18,20 mètres, son rayon d'action est de 572 km, avec une charge utile de 3200 kg ou 18 passagers. Le Puma est de plus en plus remplacé par le Super Puma dans l'ensemble de ses missions. Le Super Puma a volé pour la première fois en 1978 pour une entrée en service en 1984. D'un encombrement sensiblement identique au Puma, il affiche une masse au décollage de 9 tonnes, soit 5 tonnes de plus que ce dernier.
Les turbines Malika de Turbomeca qui l'équipent ont une poussée de 1600 chevaux chacune et lui confèrent une vitesse maximale de 280 km/h. Les missions des Puma et Super Puma sont principalement des missions dites SAR, Search and Rescue. Ces missions sont effectuées principalement au profit des personnels militaires, plus particulièrement des pilotes. La recherche et le sauvetage en mer sont des missions fréquemment effectuées au cours d'entraînement. L'intérêt est équivalent pour le personnel de bord ou pour le pilote qui doit supporter la combinaison étanche. Les pilotes peuvent au cours de ces exercices utiliser l'ensemble de leurs équipements de survie et de signalisation dans un cadre sécurisé pour des plongeurs sauveteurs. Ces missions et entraînements ont lieu bien entendu sur l'ensemble des territoires d'outre-mer et sur le territoire national. La base d'Istres, dotée d'ateliers ultramodernes, assure l'entretien et la maintenance courante de ces hélicos, grâce à un personnel hautement qualifié qui livre aux pilotes des hélicos à la fiabilité incontestable. Je me bouge plus que toi. Attends, là, il y a 0,5, hein, à l'aise. Okay. C'est mieux, Denis, toi, tu arrives bien. Puma et Super Puma de l'armée de l'air participent à des missions de la plus haute importance. Pour l'état-major, il s'agit de missions RESCO, recherche et sauvetage au combat. Des dispositifs à deux machines s'introduisent en cas de besoin derrière les lignes ennemies dans le but de récupérer des pilotes qui se seraient éjectés afin de les ramener dans leurs forces. Ces missions très délicates sont réalisées par des professionnels parfaitement entraînés, les commandos parachutistes de l'air. Basé à Villacoublay, l'escadron 367 Paris 6 dispose de 3 Super Puma AS-332 dont le rôle est d'effectuer le transport sur des courts ou moyennes distances, des invités de l'état-major ou des membres du gouvernement eux-mêmes.
Ces missions peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire national, mais aussi en mer, comme nous le montre cette visite sur le porte-avions Charles de Gaulle. Fennec et Puma de l'armée de l'air sont utilisés au quotidien dans l'ensemble des missions de combat, sauvetage, rapatriement sanitaire, reconnaissance et mise en place des forces au sol. L'ensemble des escadrons et les hommes qui le composent sont présents partout avec la même détermination et la même efficacité. L'efficacité des machines est assurée par les ateliers du CIUH, véritable académie des voilures tournantes, sur la BA-101. Les hélicoptères de tout type font l'objet de visites approfondies d'opérations d'entretien et de réparation extrêmement poussées afin de garantir leurs aptitudes au combat pendant de nombreuses années. Le Cougar est la future version du Super Puma, développé par Eurocopter au fuselage court ou long. Il équipera l'armée de l'air à partir de 2005 et pourra recevoir divers armements. Il sera même équipé d'une perche de ravitaillement en vol. Puissant et maniable, ce nouvel hélicoptère dispose d'un cockpit entièrement modernisé, d'une motorisation toujours plus puissante avec régulation numérique et d'un rotor à 5 pales. Son aérodynamique autorise une vitesse de rotation plus lente, réduisant les vibrations et le bruit. Le C-725 est un hélicoptère aux performances en hausse, avec plus de charge utile, plus d'autonomie et un entretien simplifié.
Les pilotes dont l'accomplissement de leur mission sont exposés à des risques nombreux. Un pilote peut s'éjecter de son aéronef et se retrouver au sol blessé ou choqué, dans l'incapacité de se déplacer. Après avoir déclenché une balise, le pilote attend le secours. Les hélicoptères décollent très vite et se rendent sur les lieux guidés par les contrôleurs aériens. Rapidement, après seulement quelques passes de reconnaissance, l'infortuné pilote, ayant déclenché son feu de détresse, est localisé. Les hélicos se posent pour déposer le médecin qui se rend auprès du blessé afin d'établir un premier diagnostic. Le pilote est embarqué dans l'hélico, à côté d'un médecin, et se dirige vers l'hôpital le plus proche afin de recevoir des soins appropriés à son cas. Au cours d'un exercice en vol, deux pilotes sont amenés à s'éjecter. Sur la plage, l'un d'eux, apparemment indemne, cherche son équipier, blessé, qui gît sur le sable. Jean-Baptiste ! L'alerte est donnée par les autres Alpha Jets de la patrouille qui volaient avec eux. Aussitôt, un groupe de recherche se constitue. Oui. Donc ils étaient en percée après la Delta 31. Il y a deux pilotes a priori qui sont éjectés.
Et a priori, ils étaient en percée, ils revenaient de la Delta 31, et il y a les deux Alpha Jet, les deux autres, qui sont passés verticales, a priori. Ils étaient en bonne... Enfin, il y en a un qui bougeait les bras, qui faisait signe. Ok, on est là. On est parti pour une éjection de deux pilotes. On a la machine d'alerte SAR qui est en version SATER. En place droite, copilote. On a le sergent Briand qui sera en place centrale. Je rappelle donc qu'on a la météo qui est favorable à la mission. On est cavoqué. Un briefing est organisé rapidement, mais avec un maximum de renseignements et de précisions. Ce brief est fondamental pour éviter de disperser les efforts au cours de la mission qui débute. Médecins et équipage embarquent au plus vite pour se rendre sur zone. Sérieux, c'est pas réglementaire. Le pilote de chasse, debout, agite son fumigène rouge pour aider les sauveteurs dans leur recherche. L'objectif étant repéré, le puma se pose afin que le médecin et les deux plongeurs sauveteurs qui l'accompagnent se rendent auprès des blessés. Ceux-ci reçoivent des soins d'urgence pour prévenir toute aggravation de leur cas. Avec d'infinies précautions, les spécialistes médicaux les entourent de soins et de matériel de surveillance et de contention, les mettant à même de supporter un hélitransport vers l'hôpital le plus proche. L'hélicoptère qui s'est éloigné afin de laisser les sauveteurs faire leur travail dans de bonnes conditions se pose à nouveau afin d'effectuer l'embarquement des blessés. Les sauveteurs plongeurs héliportés sont tenus de maintenir leur forme et leurs conditions physiques à la perfection. Ils ne savent jamais de quelle nature sera la prochaine mission qu'ils auront à accomplir, ni combien de temps elle va durer. Mais ils savent que tout le monde compte sur eux, partout dans le monde et H24. L'alerte est donnée en début de matinée. Un pilote s'est éjecté en mer. Il est conscient et attend dans son canot pneumatique qui équipait son siège éjectable.
Immédiatement, le SA-330 Puma de l'EH-667 de la base aérienne 126 de Solenzara se porte au secours du naufragé. L'hélicoptère atteint la zone de recherche et à l'issue de quelques passages au-dessus des flots, le pilote est localisé. Celui-ci disposait de fumigène rouge et de fluorescéine colorante qui a laissé une belle trace à la surface de la mer. Les plongeurs se mettent à l'eau, rejoignent le pilote et sous le brouillard d'eau créé par les pales du Puma, resté en vol stationnaire, ils préparent le rescapé à un hélitreuillage qui lui sera salutaire. De retour à la base, le pilote est embarqué sur l'aire de stationnement même, dans une ambulance qui le conduira à l'hôpital. Mission de la plus haute importance, la RESCO de la base de Cazaux a une vocation interarmée. Les groupes de récupération au sol se tiennent prêts à voler au secours des éventuels pilotes ou équipages ayant abandonné leur aéronef. La mission principale de l'escadron réside dans la récupération de personnel en perdition en zone hostile. Mécanicien de conduite, je pense que c'est Delomened. Non, c'est Monet, c'est un chef Monet, adjudant-chef Delomened, le caméraman. Après un briefing méticuleux, les Pumas se rendent sur la zone de récupération en empruntant un cheminement tactique établi en fonction de la menace. Au cours du trajet, l'un des hélicos assure la conduite de la mission, tandis que l'autre se préoccupe de la navigation et de la tactique.
Le pilote étant repéré, les hélicos déposent les commandos, soit en s'opposant, soit par descente par corde lisse. Les hommes du GRS identifient le pilote crashé, jaugent son état de santé et le récupèrent à bord. Sur le site, les hélicos peuvent avoir un rôle différent, l'un d'eux assurant la récupération, tandis que l'autre le couvre en utilisant son arme de sabord ou en se posant si la situation l'exige. Parfois, lorsque le terrain est accidenté, l'hélico dépose les hommes à plusieurs kilomètres du pilote. Dans ce cas, les commandos auront à s'infiltrer dans les lignes ennemies pour rejoindre le pilote éjecté et le ramener dans une zone où l'hélico pourra le récupérer par pose ou à l'aide d'un treuil. Les opérateurs du centre de conduite des opérations aériennes viennent de détecter un écho non identifié se dirigeant à faible vitesse vers une zone interdite. Sur l'ordre du centre de conduite, deux hélicoptères Fennec du 367 Paris 6 vont décoller pour tenter de ramener l'avion suspect sur un itinéraire autorisé ou de l'obliger à se poser afin d'être mis entre les mains des autorités. De toute façon, on évite le secteur 30 degrés ou 30 degrés gauche ou droit, puisque l'intercepté sera masqué. Donc on favorisera un secteur 2 avec une approche sur ces secteurs. Donc, on arrivera et le but, c'est d'effectuer une courbe du chien pour rester toujours, pour garder l'intercepté dans un angle 30 degrés gauche. Donc là, on le garde en visuel, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on va le maintenir toujours gauche, jusqu'à l'acquisition visuelle. Tu m'annonces acquisition JVN, et là, c'est toi qui prendras les bâtons, c'est toi qui prendras les commandes. La première escadrille du Paris 6 a été désignée comme leader de la MASA, mesure active de sûreté aérienne, et a dû en définir le domaine d'emploi. Les tireurs d'élite des CPA
effectue un travail résultant d'une recherche très poussée en matière de procédure et de positionnement. Le calme avec lequel se préparent les tireurs d'élite ne traduit ni habitude ni sûreté de soi, mais tout simplement un état de concentration intense, et cela même au cours d'un exercice. Au sol, avant même le décollage, les hommes qui ne savent pas ce qui les attend préparent la mission en répétant déjà les gestes qu'ils seront amenés à accomplir quand le moment de passer à l'action sera venu. Équipés de tous les moyens de vision nocturne, les Fennecs de la MASA protègent de jour comme de nuit l'espace aérien principalement au-dessus de Paris. Des équipages identiques seront bientôt en place à Istres et sur d'autres bases afin de garantir au mieux la paix dans le ciel de France.